Star People, à la une cette semaine, Mylène Farmer ou l'art de prendre au dépourvu. La star énigmatique a une nouvelle fois créé le buzz en surprenant ses fans avec son nouveau tube du temps. La rumeur d'un retour en studio circulait déjà sur la toile, mais aucune info officielle n'avait filtré. Nouvel album, retour sur scène, les nombreux fans s'attendaient à une surprise. Un premier cadeau est arrivé le 7 novembre dernier sur les plateformes de téléchargement légal. Du temps, premier extrait du deuxième best-of de la chanteuse, dont la sortie est programmée pour le 5 décembre prochain. Un single inédit qui n'est pas sans rappeler le rythme de son dernier album Bleu Noir. Cette fois-ci, oublié Red One. Pour cet opus et les deux titres inédits qui le composeront, Mylène Farmer est revenue à la source et a retrouvé son célèbre acolyte, Laurent Boutonnat. Le best-of contiendra par ailleurs tous les tubes de la période 2001-2011, soit les trois derniers albums de la chanteuse, à savoir Avant que l'ombre, Point de suture et Bleu Noir. A noter que cet opus intervient 10 ans après la sortie de son premier best-of Les Mots et qui s'était écoulé à plus d'1,5 million d'exemplaires. Affaire à suivre.